Quel est aujourd'hui ton échec le plus cuisant ? À côtoyer l'extrême quotidiennement, bah ça devient une norme. J'en ai chié, Michel. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ces comportements déviants ? Si tu rêves grand, t'arriveras beaucoup plus loin que si tu rêves petit. C'est pas une question évidente, je trouve. J'ai vu des gars plus forts que moi, physiquement, mais mentalement, ils n'étaient pas dans le match. Quand on apprend à s'aimer, on apprend à aimer le monde. OBS plus dans cette école, j'ai subi des moqueries, j'ai subi voilà, des gros pleins de soupe, gros tas, on mettait des chewing-gums dans les cheveux. J'en suis convaincu, c'est ma famille m'aide à garder les pieds bien ancrés au sol. Ça veut dire quoi ça? On a parfois un genou à terre. Parfois, on est complètement à terre. Comment tu sais que quelque chose est juste? Alors, je sais pas si ça vient de là, mais j'ai cette énergie en moi, c'est sûr. À quoi tu fais la différence entre un conférencier professionnel et... Ah, ça, je peux te répondre. Eh ben voilà. La timidité, la personne timide a cette force qui est vraiment d'écouter la personne, comme t'oses pas parler. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser, putain, Steve, tu vas pas faire chier quand même, un interrupteur, quoi. Je suis tombée, avec la panique, il y a eu une marche arrière qui a été faite, et mes jambes ont été happées, je suis passée sous le truc. Quelle horreur. Là, tu sais que tu poses une question un peu touchy. C'est bien, c'est le but. C'est aussi la leçon que j'ai retenue, c'est observer sans juger. Je suis quelqu'un qui est issu du milieu du bâtiment, qui avait toujours des aspirations un petit peu autres, un peu comme qu'on pourrait prêter à un enfant qui fait que rêver. Et moi, je suis le petit caillou dans la chaussure. Et je ne couperai pas. Non, ne coupe pas, surtout pas. Plantez-vous, les amis. Je pense que je ne m'autorise pas à me plaindre à ce moment-là. Pour moi, j'ai de la chance d'être là. C'est quand même Steve. Il y a plein d'histoires qui montrent qu'il peut être irrationnel pour ce qu'on peut en comprendre jusqu'au dernier moment. C'est presque une psychanalyse. Hein. Ouais. Ça s'arrête jamais. Oh, mince. Désolé de faire la peine aux gens, mais... Ce sentiment de ne pas être prête, c'est de d'oser aller à la rencontre de sa peur. Donc j'ai jamais considéré ce qui m'est arrivé comme des échecs. Plutôt comme des forces. J'arrive 2 ans après son retour à la tête d'Apple. Et bah quand j'ouvre mon parachute à 1000 mètres, la merde, il s'ouvre pas bien. Au lycée, quand je tourne, un ami qui est mort. T'as pas le temps de réagir. Qu'est-ce que tu veux ressentir sous ton lit de mort? C'est un peu l'humiliation. Et le marché français, son raisonnement, c'est de dire, eh ben, si Alexa, elle s'en sort... Vous remarquez qu'elle n'a pas contredit le boulet. Et je lève la tête et il y a une poutre en acier qui m'arrive droit sur la figure. Si tu ne parles pas d'échec, tu parles de quoi, toi? Ouais, plutôt d'épreuve. D'épreuve? Ouais, de challenge. J'ai été en décalage entre qui j'étais vraiment, et le rôle que je jouais chez les pompiers de Paris. Bonne question, parce que c'est très dur, je trouve, d'y répondre en tant que... À nouveau, tu ne parles pas d'échec, tu n'as pas répondu. Et au début, je n'osais pas te le dire parce que je me trouvais nul par rapport aux autres. Est-ce que ça te joue pas parfois de mauvais tours, de prendre des barrières? Oui, bah ça me joue des mauvais tours. Il y a un peu une notion de surhomme, tu vois. Bien sûr. Et puis ferme ta gueule, avance. Ouais. C'est un peu marche ou crève. Oh, j'ai commencé la danse à 5 ans, la danse classique. Ah oui, d'accord. Ouais. Autour de moi, on disait beaucoup, Marie-Claire, mais on se fait pas de soucis, on n'est pas inquiet, ça va. Il y a eu des gars, des très bons, mais qui se blessent. C'est comme c'est les sportifs de... Aussi, ah bah c'est terminé. Oui, mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'il avait beaucoup plu la veille. Et donc, avec le poids du tracteur, ça m'a enfoncé. Il y a eu de la boue, d'accord. Vise la lune et t'atterriras dans les étoiles. Si déjà... À savoir que les étoiles sont plus loin que la lune. Oui, mais c'est peut-être là où vise la lune. Non, mais c'est ça, c'est le bon dicton. Mais moi, ça me fait toujours rire parce que la lune est beaucoup plus proche que la plus proche des étoiles.